Hello. Oh, is that working now? Oh. Perfect. Hi, everybody. We are back. Yeah. Please have a seat. Can I just have all the chefs come down here, please? Toutes les cuisiniers, s'il vous pouvez venir, s'il vous plaît. How did you pronounce my name? Pardon? How did you pronounce my name? Yeah, if you could. Vincent. Yeah, and the name? Fagnot. I love it. Phineas. Victoria? Ah, there she is. C'est magnifique. Finn? Je te le ferai. Yes. Mesdames, oh, sourire commercial. Mesdames et messieurs, merci d'être de retour. Thank you for coming back after this short lunch break. Mine was even shorter because I was very interested about what was going on with the jury deliberating. So, in a few seconds from now, dans quelques secondes, nous allons, pour libérer la pression de nos chefs, annoncer les trois finalistes. There is such a pressure in my back. Stop pushing, please. Such a pressure, and in a few seconds from now, we're going to release this pressure by giving the names of the three finalists. Can we stop the music? Because it's very solemn. Yeah. You know, and he ate his music. No, the music doesn't go with the pressure. No. They bought the record in the airport. yes, yeah, already first, left. I really want to thank you all because you did a fantastic demonstration of cuisine today. I don't know how you can do that kind of work with 40 minutes to do, with nothing in your hands except your quality and your knowledge. So thanks. I think all the juries agree with me, but bravo. Oui, on peut les applaudir, évidemment, hein, nos neuf chefs. Ah, it's crazy. Fantastic. So... Then we found three candidates in each category, okay? Because the difficulty was not the same in different products. Yes. You have to. So we choose the best of the three rounds. The three rounds, right. In a few minutes, there will be deception. That's what I want to say. Of course, there will be joy, but there will be deception. The one who won't be... selected. You must remain. Don't watch. You must remain proud. Yeah. Proud of you, of what you did. You know, it's sometimes so close, but we have to choose three chefs. That's a contest. This is a contest. So. Okay, let's start. I will announce the passage number one, okay, and Marco Tognon. Will be Marco Tognon. Bravo. So you will be the first in the kitchen, Marco. Passage number two, Tommaso Santoni. Tommaso Santoni. Oh, Yannick.
That's two Italians, huh? I know. Yeah. Is there a problem? Oh. Come, Christina. Come over here. Come, Christina. What's it is not my fault. But I am you influenced the president. I did. No. Well, I have this power. But anyway. She's very proud of you. Yes, I am. Congratulations. And sorry for the others. Round number three, Yannick. Enrique Antunes. Enrique, number one. Okay. So thank you for your work, really. It's always hard to compete, but you give us so much pleasure. Thank you so much. Well, so now, back in the game. Hey, right? Les amis, deux Italiens, un Portugais. Bonjour l'Europe du Sud. Bravo. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Écoutez, la cuisine du Sud. Bravo. Comme quand on peut cuire rapidement et faire bien quand on est du Sud. Bravo en tout cas. Merci à tous. Merci. Et ben, ça recommence. Voilà, je voulais dire, I want to say to the six left in this competition. That they did a fantastic job. I always say that, but this time I was really impressed by what you produced in 40 minutes. Well, there's no way I could do such things. Even the great chefs such as Yannick was wondering about the fact that he wouldn't be able to cook in 40 minutes such things. No, but no. But I think we can applaud them. Thank you so much. Bravo. So guys, ready to compete? Fight again? See? Listen, everybody plays for himself. Huh? No Italian team, okay? Allez, au boulot. All right. Au travail, merci. Au travail. Get back to work. Thank you for the others. Merci. Please have a seat. All the six leftover participants and the three starting, please come with Sharon. Super. Alors ils ont. Okay. Well, now it starts all over again. What is going to happen here is completely different from this morning. Voilà, l'épreuve qui va suivre, elle est différente de celle de ce matin. They will be asked not to cook, but to sing and dance. Just to see if you're listening. Voilà, juste, voilà, je me disais, bon, quand même, bon, alors effectivement, on va leur demander de cuisiner. Two courses. They will have 30 minutes for the main dish, main course, and 20 minutes for dessert. Voilà, 30 minutes d'épreuve, en tout 50 minutes, 30 minutes. Pour préparer le plat, 20 minutes pour préparer un dessert. Comme ça, ce sera complet. Et évidemment, ils seront jugés à la fin de cette épreuve par le même jury que ce matin, qui n'a pas trop déjeuné parce qu'ils vont encore manger 3 plats, 3 desserts. Mais ça, c'est la chance pour eux. Et c'est tant pis pour vous et pour moi. Mesdames et messieurs, le temps pour les équipes de redescendre un petit peu en pression et on va tout de suite placer les candidats en situation de compétition. Ok, guys.
tell them. But I don't know if it's been changed because Vincent has a different time. So can time you stop? To me. No, because that was me saying it, and I'm so sorry. I checked with Sarah. 74. Yeah. Linda. Enrique and Tommaso, please. You're requested backstage. Enrique and Tommaso. Enrique et Tommaso dans les backstage, en coulisses. You will spend 2 hours with Sharon, who will tell you the story of her life while Marco is cooking. Okay, so I'll come and get Oui. So just a slight correction, they will actually have 40 minutes for the main course and 30 minutes for the dessert. So it's a little bit more time for them. also, we'll be holding the public vote again. So be ready to take out your phones and scan the QR codes that you have been given at the entrance. This time for the finals, there will actually be two vote ingredients that you need to vote. So one for the main course and one for the dessert. Bon alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, merci Carmel. Voilà, vous allez devoir choisir les ingrédients mystères. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez partout, si vous nous avez rejoints uniquement pour la finale, parce qu'il y en a qui sont malins, hein, ils laissent les épreuves du matin se dérouler, puis ils viennent uniquement pour la finale. Vous avez des QR codes qui sont affichés partout dans les gradins, dans les voilà, différents gradins. Vous scannez le QR code, voilà, c'est celui qui s'affiche, et vous allez pouvoir choisir parmi les 4 produits qui vous sont proposés, 4 produits pour le plat salé, et ensuite 4 produits pour le dessert, ou c'est les mêmes? Non, parce qu'ils vont se succéder? Oui. D'accord. Quand vous aurez choisi le produit mystère pour les plats salés, pour le plat principal, on vous affichera ensuite les produits sélectionnés pour le dessert, les produits mystères. C'est votre vote du public qui servira de sélection. Allez, vous avez combien de temps, ma chère Mathilde, qui habite dans mon oreille ? Environ 1 minute encore pour voter pour un des 4 produits. Une gelée de piment d'Espelette, un vinaigre de miel. Ah, ça c'est intéressant. Et des piments rouges séchés. Et enfin, toute une petite gamme, un combo de truffes. Voilà, ces produits devront être mis en œuvre par les chefs. Et celui qui va commencer, c'est Marco. Vous vous souvenez qu'il est malin, Marco, hein? C'est lui qui est venu râper du chocolat au dernier moment sur les assiettes. Oui, oui, oui. Si, ma non est al tufo, si. Chocolato non est al tufo.
Voilà, c'est terminé maintenant. Je vais vous donner le résultat du vote du public pour ce premier produit mystère. Attendez, hein, on n'a pas encore commencé avec le D'accord. Alors, c'est le numéro 4 qui a été élu. C'est le pack de produits aux truffes de chez Tartuffe Lange. Voilà. Huile de truffe, miel de truffe, beurre de truffe, condiment à la truffe blanche. Au chef de choisir celui qui conviendra le mieux dans sa recette salée. Merci de votre vote. Maintenant, nous allons passer à l'élection du produit mystère sucré. Je me tourne vers les écrans. Voici les produits qui vous sont proposés. Une crème de balsamique à la figue. Une crème de yuzu, des cerneaux de noix de pécan caramélisés et enfin une liqueur de café. Non ? Non, c'est pas ça. Bah, c'est ce qui s'affiche. Viens, Joël. Alors là, j'ai une contestation du chef Joël Garraud. Il y a un produit qui ne colle pas, chef. Alors, il y a un petit changement parce que ce n'est pas de la liqueur de café qu'on aurait été chercher je ne sais pas où, mais ça sera une liqueur de caroum qui est faite par la distillerie de Monaco qui a bien voulu mettre à disposition des candidats de la liqueur de caroum. Donc, ça sera de la liqueur de caroum. Ben, je préfère. Marco? Can you get ready behind the boxes? Because we're going to be doing the unboxing of the mystery. So you can unbox both boxes. So we have a savory box and as well the sucré box. Okay, the sweet Swedish box. Alors, on a des homards entiers mi-cuits. On a du fromage de parmesan. On a des pinces de homards décortiquées. Cuite décortiquée et du caviar. Voilà. The lobster entier. Lobster claws already cooked. Caviar. Voilà, il adore tout. Marco, il est pas difficile. Il aime tout ce qu'il y a sur le plateau. On peut redire ce qu'il y a sur le plateau sucré, Joël ? Alors, sur le sucré, nous avons un ananas, nous avons de la pâte de noisette, nous avons de la poudre d'amande, de la noix de coco râpée et du thé. Voilà, et du thé. Alors, le résultat du produit mystère élu par le public, the result is not coffee, but caruba liquor. It's a Monaco distillation, is that right? Exactly. It's made here. It's right, made right here. Our partner is here as well, and he'll be making some beautiful cocktails for you later today, Philip. And you'll hear him speak a little bit later as well. I didn't even know you could have a liquor made out of caruba. Me neither. Okay, I'll try it. Voilà, mais en tout cas, c'est le vote du public. Le vote est souverain. Voilà, il est parti, Marco. Quelques minutes, vous en avez l'habitude.
One more minute thinking time for Marco. All right, 10 seconds left, and then Marco has 40 minutes to make the main course and 30 minutes to make the dessert. Ready, steady, cook. Final round. And now we're going to announce the second chef, Tommaso Santoni, who was the winner of the round two, to come and discover his mystery boxes. Welcome, Tommaso. Tommaso, you're welcome to open the boxes, both of them. Okay, Tommaso, ouvre la boîte. Starting with the salty dish box with lobsters, half cooked. Ils sont mi-cuits. Parmigiano, have you ever heard? Grated cheese? No, that's a new product. The claws. Claws and some caviar also. And the mystery product of the audience, which was okay. If you compare it to what was proposed this morning, you have some fruits in your market. And you have also different products made with truffle. White truffle paste, white truffle oil, vinegar aromatized with truffle. This was the vote of the audience. Voilà un très beau marché qui est proposé comme ce matin. Tiens, je vais piquer une framboise. Hop. I will know. A cherry, maybe. Voilà, mesdames et messieurs,
Alors que Marco a commencé à cuisiner, Marco started his final. Tommaso is now aware of what's in the box and thinking of all the vegetables and fruits he might use in his recipes. Exactly. Now we are welcoming third chef, Enrique Antunes. Tommaso, you only have 30 seconds left of thinking time before we start. Voilà, nos trois chefs. So, considering that they spent 30 minutes on the salted dish and 20 minutes on the dessert, we're about to compete for around an hour. In an hour, we'll be almost done. Yeah, basically, because they have 40 minutes for the main dish and 30 minutes for the dessert. It's it's a little extra. More. Who told me that it was only 30 and 20? Oh, blame Duncan. The scapegoat. It's a girl with cinnamon hair, you know? You know. All right. Ready, steady, cook. Eh bien, c'est parti. So they're obliged to start with the salted dish, right? I mean, the main course. They can prepare it together a little bit. Okay. Wonderful. C'est le caroube. C'est le caroube, tu leur fais goûter là. Moi je goûte très bien aussi. Ah bah c'est ce que je vais faire. Alors, je suis avec le patron de la distillerie Monaco. Je viens de goûter, là, pour la première fois de ma vie, la liqueur de caroube. Raise your hands, those who never tasted this liquor before. Qui n'a jamais goûté la liqueur de caroube? Ah, ben, pas tant que ça, hein? Ah, thank you. You're very honest. I'm sure that no one knows this liquor and they just pretend they... Alors, comment est-ce qu'on produit de la liqueur de caroube? Très bonne question. Tout d'abord, il faut dire que le caroubier, c'est l'arbre national monégasque. C'est l'arbre emblématique du principauté, de la principauté. Et nous, pour commencer le travail du produit, on fait une torréfaction. Donc, on fait toaster
Qu'est-ce qu'on fait toaster? La graine? Non, exactement. On lève les graines parce que les graines sont souvent utilisées dans la pâtisserie et, et dans les glaces. Parce que c'est un gélifiant, un texturant. Exactement. Mais c'est sans odeur, c'est inodore, c'est sans goût. Donc, la particularité des graines, c'est qu'ils ont tous un poids très uniforme. Et on le sait, dans les temps gréco-romains, c'était utilisé pour peser les pierres précieuses et l'or. Donc, le mot cara, en fait, découle du caroubier. Le caroub a donné le cara, hein, parce qu'il y a à très peu de choses près, les graines pèsent toutes le même poids. Ils ont un poids très uniforme. Mais nous, on prend le chair du fruit, on fait une torréfaction, on fait le toaster, et ensuite, on commence à travailler. À quoi ça ressemble le caroub, le fruit lui-même? En lui-même, il y a beaucoup de chocolat, de noix de cacao, de caramel, un petit peu de café, surtout quand on fait la torréfication, des fruits secs, un petit peu sur la liqueur aussi de pain d'épices, un petit peu de réglisse aussi. Donc, très complexe, donc excellent, comme vous avez dit, pour déglacer. All right, sorry to cut you off, sorry, Philip. Oh, sorry, yeah, so they interrupt, they always do. So for Henrik, ready, steady, cook. Voilà, c'est parti pour le troisième chef, pour Henrique Antunes. Alors, et est-ce que le fruit du caroubier, le caroub, est-ce que ça se mange tel quel? Absolument. En fait, dans l'après-guerre, il y a beaucoup de monégasques qui ont mangé ça comme le petit goûter de l'après-midi. C'est un petit fruit, un gros fruit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un haricot, vert sous les arbres, après ça arrive à maturité. Une gousse quoi? Une gousse qui a un tenu en sucre naturel très élevé, on parle de 45%, donc c'est un petit délice. D'accord, et c'est pas utilisé le fruit pour de la pâtisserie traditionnellement? Alors souvent c'est utilisé pour alimenter les ânes, les chevaux. Mais maintenant, ça devient vraiment un petit peu un superfood. C'est plein de polyphénols, qui sont des antioxydants. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de caféine, même si ça peut être très similaire à un liqueur à café. Je pense que c'est pour ça qu'on a dit liqueur à café, mais ce n'est pas tout café. Mais voilà. OK, merci beaucoup pour ces explications sur la liqueur de caroub. Voilà, the caroub liquor, which is the national fruit of Monaco. All right, I have a very good announcement to make. It's that the Super Yacht Foodie Bar outside is open. So if you would like to have a drink there, there's gin and a load of other drinks. So if you'd like to, let's go. They're open. They're cooking. We can go drinking. They will be needing us for a few moments. Exactly. More. I think you have a well-deserved break. Bon, ben moi, je m'y fais au caroub. Hein. C'est très sympa. Non, c'est très bon et je me dis qu'utilisé dans un dessert, il y a un côté... C'est aromatique. C'est aromatique, ça. J'aime bien le parfum. Oh, it's a liquor. So don't do as you never drink alcohol before. C'est pas mal, hein. Il y a un côté très mûr, très, très fruit mûr. Je le laisse là, je suis sûr que je la retrouverai.
a tout pris en photo. Eh bien, je peux vous dire que ici, c'est parti et puis ça rigole pas hein, dans le fond des cuisines. Alors, je vais me tourner vers le chef Joël Garraud. Qu'est-ce que c'est la différence principale, Joël, entre ce qui s'est passé ce matin et maintenant? Est-ce qu'ils ont plus de temps? Non, ils n'ont pas plus de temps. Le challenge, il est multiplié par deux, c'est-à-dire qu'ils ont 40 minutes pour pouvoir exprimer sur un plat et après, ils ont 30 minutes pour en faire un deuxième. Donc, dans leur organisation, il faut qu'ils commencent à faire de la mise en place sur le plat d'après pour envoyer dans les normes et dans le temps, surtout, dans le temps. Alors, j'ai vu le premier candidat, Marco, pester un petit peu à l'idée que le homard soit déjà cuit. Alors, il a pesté, mais quand il a vu que le homard était mi-cuit, il m'a dit « c'est bien ». Oui, parce que ça permet de le réchauffer sans trop le recuire. Oui, et puis surtout qu'il veut faire un ceviche, donc voilà, c'est bien. La cuisson est parfaite. Formidable. Est-ce que Yannick Alino nous disait ce matin, c'est même pour des chefs qui sont aguerris comme nous, et on peut le dire, hein, je pense en ce qui te concerne et toi aussi, il y a toujours des choses à glaner, des choses à voir, des techniques à prendre. Oui, oui, c'est... Ce qui ressort toujours d'un concours, on a toujours un esprit novateur où on va piquer, et j'ai bien dit piquer, une idée, une manière de faire, une manière de dresser, un accompagnement. Et ça, c'est assez phénoménal lorsque ben, vous êtes un professionnel, vous dites « Ah ben mince, et pourquoi j'ai pas pensé ?» Mais c'est ça le concours. C'est-à-dire que c'est au moment où on est à la retraite qu'on est parfait, quoi. Non. Non, il y a encore des trucs à apprendre. Voilà. Merci, Joël Garraud. Allez, dans une seconde, je vais recevoir un de nos partenaires en interview. Ah. Bon, inutile de vous le préciser,
énormément de partenaires qui se sont agrégés. A lot of partners came together to be here today and to promote this beautiful competition. Exactly. So okay, give the floor to Carmel. Thank you. Thank you very much. I'm not going to be talking super much because I'm going to leave a bit of the talking also to Brie, who is with us today from Yacht Chandler and who have provided the lovely aprons you will see a bit later as well, and you might have seen at the entrance too. So she's not wearing one. She's not wearing one. Oh my gosh. Next year, I promise. Next year. This is 2 years in a row that I've disappointed. I'm sorry. So what do you kind of do with Yacht Chandler? Do you, can you explain a little bit more about the company and everything and where you're based? Absolutely. We are based in Antibes. We are a full supply yacht company. So we do everything from interior guest linens, bed linens, tableware, chef supplies, pots, pans, knives. And we also do deck supplies and engine room supplies. So literally everything start to finish. Amazing. And for how many years have you been doing that? We've been in Antibes for 12 years now. I've actually also been there for 12 years. So, but yeah, the company in the U.S. has been there for over 30 years. So we've got a very experienced, very hands-on, very, yeah, helpful team, let's say. International as well. What is the raw material that you utilize the most? Is it linen? Is it cotton? It's a bit of a mix, I'd say, but yeah, I'd say interior supplies for sure. That's our lead here in Europe, along with galley supplies. So we like to get into the boat when the boat's being built in the shipyard. Let's say that's in Holland, in Germany, in Italy, and do everything from start to finish, really. So yeah, it's every day is different, and yeah, every day is a challenge, but a fun challenge. So voilà. Yeah. Ce partenaire qui évidemment fournit aujourd'hui les tabliers. De nos chefs, hein, les magnifiques tabliers. The ones that they get prize, not this d'accord. One. Pas ceux-là. Non. A nice the one they'll later, get with all the embroidery. When they win. Yeah, exactly. Only for a clean winners. One, yeah. Great. I'm a winner too. I deserve one, don't I? We'll make it happen. Yeah, in a way. So. Yeah. Okay, merci beaucoup. Thank you. Thanks. Voilà nos trois candidats. Regardez comme le temps file, puisqu'il n'y a déjà plus que 17 minutes pour Marco, à peine plus d'un quart d'heure. Marco qui est en train de déboucher la bouteille de liqueur de caroube. Ah, c'est la vodka. Ah oui, alors là, c'est du sérieux, hein, chef. Heureusement que Frédéric est là pour me corriger. Je crois que tout le monde est intéressé par ce qui se passe. Eh bien, Enrique, lui, il est en train de passer les carottes sur la mandoline. Voilà, il est en train de jouer un petit air de mandoline, Enrique. Il a décortiqué ses homards. Et là, il nous fait une julienne. Hein. Une julienne de carottes. Petite julienne de carottes du côté d'Enrique Antunes. Je vais regarder ce qui se passe du côté du chef Marco. Alors, il a monté une crème, apparemment. Eh bien, voilà, il est là. Elle est là. Avec de la vodka. Voilà, une sorte de crème fouettée citron-vodka.
Ça travaille, ça travaille. Ok, pendant ce temps-là, le travail ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça sent la friture. Oui, on a des friteuses là, hein, parce que je sentais la friture tout à l'heure. Je regarde ce que fait Tommaso, il fait une tuile de parmesan. Une tuile de parmesan. Ça sent bon ici, hein. Je peux vous dire, là j'ai le nez au-dessus de la tuile de parmesan. C'est bien utile hein, d'avoir un chef pour séparer les blancs des jaunes. Hein. C'est plus facile la cuisine hein, quand on a un commis qui travaille bien. Voilà, au mixeur plongeant. Dans une seconde, nous aurons un partenaire supplémentaire, Impossible Drinks. Ok, Carmel. Yes. A new partner in new the partner. Contest. Exactly. Another Dutchie. So we have Geert with us today from Impossible Drinks. Please, Geert, come and join us. So Impossible Drinks is a new partner for us in the competition. Can you? Yeah, for the first year, Blue Water contacted us if we wanted to take part in the event, and we directly said yes. For us, it's always good to be back in Monaco to reach out to these kind of amazing events and yeah, see the people who work all the time in the yacht, because it's a really important business for us, and we want to get more and more in contact with all the people at the yacht, and I think this is an amazing place to do it. Yeah. So can you tell us a little bit more about what you do for those who don't know?
Yeah, so Impossible Drinks, I would say we are a service-based drink company because nowadays it's really difficult to source all of the drinks. And a lot of my clients before had more than 10 different wine and drink suppliers. And we said, no, you just tell me what you need and I work with all the drink suppliers. I'll make sure that you get everything for the right price and also the exclusive things. Now in the world, it's really difficult to get tequila or champagnes and those kind of stuff, and that's our specialty. And we try to deliver what nobody else can. And yeah, now it gets it still mean, works. Do you mean that it's only spirits and wines? Or do you have a non-alcoholic drinks? I have to commit, we don't do a lot of non-alcoholic drinks. Okay, it's mostly spirits. Was just wondering. Yeah, so we also have some non-alcoholic gins and those kind of thing, but it's mostly spirits, also some beers. Wines. We started the company with wines because I have been a 3-Michelin-star wine director for a long time. Good. And all the team we build of all people who worked in high gastronomic restaurants. So we all worked a lot with wines, and then we expand with whiskeys, then tequila, and now we do everything. Everything that the client wants, we deliver. So you choose by finding very rare or exclusive or different bottles It doesn't need to be rare always. It always can be normal. You don't always have to drink a bottle of 100 euros. You can also drink a nice rosé from 10 euros. So it's more about the service, I think, more. Okay, we started to focus more on the exclusive market and the impossible drinks. But now, since this year and last year, we learned that you need to deliver everything. If it's the bottle of beer for 1 euro, or it's your Ballo Romane Conti from 25,000 euros. Everything that you want, we will deliver. And yeah, we try to deliver everything. Yeah, we almost give a guarantee. Yeah, delivery guarantee. Almost every time. Yeah, that's a big risk, yeah. I have a question about the prize that you'll be giving to the winner, I believe. Yeah, so they asked us if we want to give a prize and we want to give something to the winner. And I directly thought, okay, needed to be tequila, because tequila was the drink of yachting last year, and I think this year tequila will be one of the most important drinks that will be drunk on the yacht. So Clase Azul, it's a brand that it's really coming up and really, getting one of the best brands on the market now. And we got one of their premium lines, the gold Clase Azul. Yeah, and I think tequila and yachting, it's really close to each other now. Is it... made it with blue agave? Yes. Okay. Yeah. It's one of the best tequilas now on the market. Yeah. Okay, thanks. Amazing. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Geert. Okay, interesting, isn't it? C'est intéressant. On verra ça tout à l'heure au moment de la remise des prix, cette bouteille exclusive de tequila d'agave bleu, qui est la meilleure agave utilisable pour la tequila. Alors qu'il y a des variétés d'agave extrêmement différentes pour le mezcal, qui est une eau de vie voisine de la tequila, mais qui n'est pas distillée de la même façon. Ah bon, c'est un peu la même différence entre le cognac et l'armagnac, c'est-à-dire la même matière première, mais des distillations différentes à double repasse. Et donc, ça donne un goût différent au bout, même si pour nous, aussi loin du Mexique et des Antilles, on ne ferait pas trop la différence parfois. Très bien, très bien. Voilà, je vous signale, let me tell you that there's less than 7 minutes left to Marco to show his dish to the jury. We have lost part of this jury. Benoît hasn't come back yet. Hope he will. Surely. Otherwise, we'll send Sharon and she... I know, she knows how to do it. I mean, bringing back the chefs, dragging them back. Ok, voilà, dans le jury va se remettre en place, car dans 6 minutes maintenant, enfin un petit peu plus, le temps de dresser les assiettes, vous en avez l'habitude. Vous verrez que le plat du premier chef... sera destiné Marco Tognon
Marco Tognon qui va envoyer le plat à notre jury qui attend, hein, qui est un peu dans l'expectative, il faut bien le reconnaître. Pendant ce temps-là, y a du marché de légumes et de fruits, bien sûr, pour la préparation de ce homard. Marco sent la pression, c'est normal. Il ne reste que 5 minutes pour s'occuper de son plat salé, de son main course. Voilà. Le plat de résistance, comme on dit chez nous, alors qu'on résiste pas souvent, hein, s'il est bon. C'est dur de résister à un bon plat de résistance. Mais voilà, ça sera dans un peu plus de 4 minutes. Affamé ? Non. Ouais, parce que dans un jury, il ne faut pas avoir faim. Donc tu juges mal. Tout à l'heure. Mesdames et messieurs, la tension, elle est en train de monter quand on sait qu'on est à 4 minutes de ce premier plat salé de Marco Tognon. Only 4 minutes left before it... Well, I'll say it really starts in a way. When the first dish is tasted by the jury, this is when it really starts. You understand? Yeah. Is it clear? Yes, I think so. I'm a juggler, you know? Tu as faim? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pas du Copper Crest, ça? Allez, only 2 minutes left. Les 2 dernières minutes. May I ask you to take some seats? I mean, it's just a proposal, you know. You do as you like, but you'd be so much better seated. Hein, si je peux vous proposer de vous asseoir avant l'envoi du premier plat. Je sais, vous vous sentez un petit peu gêné, peut-être de dire « Oh, ben non, je ne vais pas me poser ». Ben si, c'est à ça que ça sert. Ladies and gentlemen, 1 minute left before the first dish by Marco Tognon.
C'est joli dans les assiettes. Attention, plus que 20 secondes. On compte ensemble à partir de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop cookie! Pardon? How come? How do you do this? I mean, Sharon, come here. How do you do this? I mean, it's been many years practicing. You show so much skill counting in French and then talking in English. How could you do that? I just speak both. It's great. Yes. We multitask. Eh? Multitask. Voilà, la dernière touche est mise à l'assiette de Marco Tognon. Un petit coup de main de Joël Garraud qui se renseigne sur ce que veut faire Marco. Ah, un petit peu de caviar. A few spoons of caviar. Yes, you're watching what's being served to our jury in a few minutes. Voilà, vous voyez Marco, le grand Marco Tognon qui est en train de terminer ses assiettes. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Et là, c'est I'm sure there's a lot of people who would like to taste this lobster. Voilà, dernière petite touche. Ah, on a retrouvé Benoît. Oh, je suis content, j'étais inquiet. Ils ont faim. Hein? Donc là, nous avons un ceviche de homard bleu de Bretagne avec un petit caviar, un mousse d'avocat. J'ai fait un crème chantilly à la vodka et gousse de vanille. Dans la mousse d'avocat, j'ai rajouté les parmesans car il y avait dans la box. Et j'ai utilisé le miel sur la ceviche pour donner un côté un peu sucré. Merci. Voilà l'assiette proposée par Marco Tognon. All right, perfect, Marco. Thank you very much for this. Can you please start with the dessert? Let's start the timer. Thank you. 30 minutes. Et c'est parti pour 30 minutes de plus pour le dessert, Monsieur Tognon. Pendant ce temps-là,
Eh bien, il ne reste moins d'une minute maintenant. Une minute pour Tommaso. Le chef Tommaso qui est prêt à envoyer dans moins d'une minute. Tommaso Santi. Tommaso, il a déjà terminé. Comme la première fois, les mains levées au bout de 38 minutes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le chef Tommaso Santini. Pardon. Qui va se diriger vers la table du jury. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. He already stopped to cook. Good. Hello. So we have lobster salad, yellow, red, green tomato, caviar, and rucola oil. A little bit of truffle as well. Was the ingredient? Secret ingredient. Thank you. Little bit of love. Merci, merci beaucoup, Tommaso. Tommaso, you're going to start now with your dessert. So we're going to put 30 minutes on the timer. Voilà, je vous rappelle que dès qu'ils ont terminé et envoyé le plat, le décompte recommence. Ils ont 20 minutes pour réaliser un dessert. As soon as the salted dish is done, starts the next chronometer for 20 minutes for the dessert. 30 minutes. 30 minutes. I was just checking that you were listening to what I say. Okay. I knew it, but I'm glad to see that you know it too. Thank you.
Enrique, you have less than a minute. Allez, plus que 20 secondes pour Enrique Antunes pour envoyer son plat. Last seconds before Enrique 10, 9, shows his 8, dish. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop cooking! Stop talking. So rude. So rude. There's no need to count. Alors, Enrique. Enrique will send his dish in a few minutes from now. Just time left to plate correctly his lobster. Voilà, je me dirige vers la table. Ça y est, les élèves du lycée technique hôtelier de Monaco, enfin toujours les mêmes, hein, cela dit, hein, ils n'ont pas changé depuis ce matin, sont au service. Merci. Jeune homme, venez me voir. C'est quoi votre prénom ? Je m'appelle Mathis. Ah, venez Mathis, venez, parce qu'on ne parle pas assez quand même du service. Hein. Mathis, au lycée technique hôtelier de Monaco depuis combien de temps ? Depuis, là c'est ma première année. Depuis une semaine. Non. Non, ça doit faire bien 6-7 mois que j'y suis là. D'accord. Et ça, il y en a pour combien de temps encore ? Il y en a jusqu'au début du mois de juin. Jusqu'au début du mois de juin. Est-ce que c'est dense ? Est-ce que ce qu'on vous apprend là-bas, c'est fourni, c'est rythmé ? Ouais, c'est très fourni. Je pense que c'est le mot adéquat. C'est très, on apprend beaucoup, c'est très pédagogique. Et j'ai déjà beaucoup appris en si peu de temps. Eh bien, je suis sûr que son Altesse, le Prince Albert, qui passera tout à l'heure, est fier de vous. Et on lui demandera. Hein, on dira, est-ce que vous avez un peu regardé le travail de Mathis, Monseigneur ? Merci. Merci, Mathis. Bravo. Enrique va expliquer son plat. C'est... Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Un petit peu de silence. Parce qu'on n'entend pas le chef qui présente son plat au jury. Tagliatelle et des légumes... De carottes, de zucchini, des trois zucchini, avec une réduction de jus d'homard, avec le caviar, une duxelle de parmesan, avec la fleur de courgette, tomate cerise confit, et je pense que c'est tout. Bonne dégustation. Merci, obrigado. Merci beaucoup, Enrique. Alors, on va commencer le timer. Merci. Je vois qu'ils ont pas, ils ont déjà coupé les tuiles de parmesan.
Voilà le troisième plat. Voilà le troisième plat de Enrique Antunes. Alors je signale au jury, et ça ils l'ont noté, mais il y a des fraises ? Je n'avais pas vu. Que le fameux homard aux fraises, je l'ai attendu toute ma vie cette recette, le homard aux fraises. Ah bah attends, là, bien sûr. Et bon, je peux être un petit peu moqueur, hein, c'est pas grave. Un très beau plat. Et une super tuile. Je signale quand même que les homards étaient proposés en carapace, mais mi-cuit, ce qui permettait d'avoir une texture assez agréable. Je pense, pour ceux qui n'ont pas recuisiné, qui l'ont proposé en ceviche, par exemple, hein, parce que c'était parfait. On attend maintenant le dessert. Après la tuile au parmesan, la tuile aux amandes. Allez, je me dirige du côté de la cuisine. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Ça continue de sentir bon. Il y a des sirops. De ce côté-là, on a l'ananas qui est en train de caraméliser avec de l'orange. La petite purée de fruits rouges. Ici, c'est une brunoise d'ananas. Que Enrique est en train d'utiliser. Allez, on vient de passer le cap des 15 minutes pour le premier candidat, Marco Otonion. Alors que les premières assiettes sont déjà sur la table. Qui travaille sur les fraises, fraises et ananas. Non, non, c'est bon, j'attends ça. Je rappelle que évidemment, il y a l'utilisation de cette liqueur Caruba, la liqueur nationale monégasque. Hmm?
So Marco, you have 10 minutes left. Allez, allez, on a fin de dessert ici. Dans 8 minutes maintenant, Marco Tognon enverra son dessert dont l'ananas pour chacun des candidats est l'élément principal. I think you understood that the dessert, the first dessert come out of the kitchen about 7 minutes, a little more, 8 minutes from now. Ok, quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, pineapple is the main product of this dessert today. Whether it's cooked, whether it's caramelized. Mesdames et messieurs, dans maintenant 5 minutes, Marco Tognon. Le premier cuisinier, le premier chef a envoyé son dessert, comme pour le plat d'ailleurs. Okay, in about 5 minutes from now, the first chef who will
present his dessert to the jury table will be Marco Tognon. Okay, so right now Marco is plating his whipped cream. The best for the last. Oh, that's a great slogan. Always wait for the last. Let me write it down. I will keep it and cherish it all my life. Non, mais ça donne envie. Hein, quand on regarde la façon dont les desserts sont dressés, c'est magnifique. Ah, on dirait bien qu'il y a de la liqueur de Caruba, là. Okay, I got the secret recipe. He told me champagne, Caruba, and saffron. But it's cold extraction. So we won't get drunk with this. So you don't even know there's saffron. Voilà. Les petites framboises. C'est quoi ça? Ah non, c'est des cerises. Ciliegie. Ciliegie. Donc, ananas, cerises. What's in the whipped cream? Qu'est-ce qu'il y a dans la crème? Ah, mascarpone et... Ah. Voilà, una crema di nocciola e mascarpone. C'est un tiramisu, quoi. Un petit peu. Un tiramisu d'ananas. Bon, c'est le résumé. Mes amis, vous savez quoi? Ça donne carrément envie ce dessert. D'ananas rôti à la vanille, une crème au mascarpone, à peine sucrée, un peu vanillée, cette petite cerise poêlée, mais crue cuite, avec le côté un petit peu croustillant sur le dessus. Alors, there's something I noticed just a minute ago. The guys, they are watching the desserts, and the girls, they are watching the chef. I don't know how it comes. Five, four, three, two,
One, stop cooking. Marco Tognon. Marco Tognon. Attention. Oui, évidemment, ça file très vite hein, du côté de la recette. Marco Tognon va venir expliquer son dessert au jury de dégustation. Marco, it's all yours. Alors, à la base, nous avons un crème au mascarpone avec la nocciola qu'on avait comme ingrédient secret. J'ai poché l'ananas sur du champagne, gousse de vanille, la caruba, et je le mis jusqu'à la fin, environ 20 secondes, un peu de thym noir, juste pour lui donner une aromaticité un peu plus, et aussi du safran pour amener cette assiette à un autre niveau. J'ai aussi cuit avec du citron un tout petit peu de sucre, les cerises. Je l'ai, on dit comment en français, trompé dans la noix de coco et l'amande. Et c'est tout. Et j'ai utilisé les Coppercress Astina parce que ça a un goût mentholé, un peu de menthe. Et je trouve que ça marche hyper bien avec ça. Just under a minute left, Tommaso. Totally out of order. Voilà le deuxième dessert envoyé par Tommaso Santoni. Et on a ici le dessert qui est prêt. Alors là, je peux vous dire que autant il y a eu du retard tout à l'heure sur le dressage des assiettes. Ah, Mathis, il est heureux là. Ah, il sait où se mettre. Ah, bah. Là, pour débarrasser. On peut débarrasser. Allez, on débarrasse. C'est pas encore la récréation là. Voilà le chef Tommaso. Tommaso. Tu parla lentamente. Parlo in italiano ora. Se tu vuoi. Ma fai lentamente per tutti. So we have caruba caramelized pineapple with coconut almond crumble. Crema chantilly. And put raspberry early green. Thank you. Chantilly, crème chantilly. Crème pâte avec de la panna montée. La panna whipped la cream. Thank you very much. You're welcome. Grazie a tutti.
So just to remind you that we will be having another vote, the final vote of today, public vote, because you'll get to decide who wins the finalist best presentation prize as well. So you're going to be voting on, firstly, the main course. So all the plates are still here in front. If you want to come and have a look, you're more than welcome to. And afterwards, we'll do the vote for the dessert. So the best looking dessert, this presentation. We will tell you when to vote, and please be ready to take out your phones. Thank you. Less than 2 minutes left, and then the finals are done. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, what's happening here? Regardez, tout le monde est attentif. Regarde la dernière minute qui va s'écouler pour Henrique Antunes. The last minute of cooking. You're gonna miss it. Pay attention because you're gonna miss it in a... 40 seconds. You'll say, oh, we want some more. Oh, no, it's finished. That's Sharon's voice. A good imitation. So rude. So rude. 25 seconds. I'll let you do it. You're so better than I am. Join us. So much better. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop cooking. And this is the end. My only friend, the end. Okay, cooking is now over. Another kind of work starts from now. Still tasting, still presenting his dessert to the jury, and then adding the marks and doing the deliberation, which is not going to be so easy because the level is so high. Exactly, exactly. So please, you can already take out your phones, if possible, if you'd like to vote. We will start with the main course. Please vote now for the main course. Est-ce que vous pouvez déjà prendre vos téléphones parce qu'on va voter pour les finales, le meilleur plat en présentation. On va voter maintenant. Absolument. 2 minutes pour voter. 2 minutes to vote.
for the most beautiful dessert served. So, s'il vous plaît, je vous demande un petit peu de silence pour laisser le chef Enrique s'exprimer. Merci. Alors, c'est une masse d'oignons de fruits confit au caramel, au thé de le thé avec de carou, avec une façon voilà, zabaillon. Un zabaillon avec aussi avec le thé et avec la vodka Belvert. Avec une touche de cannelle, les amandes en poudre et le coco râpé. Bonne dégustation. Okay. Merci Enrique. So we won't announce the results yet, just to let you know of the vote. Those will be heard during the prize giving, which will start at 5 p.m. In between, you're welcome to have a little drink outside. We have the Supriot foodie stand open. We also have the Uluwazu oyster bar that's opening up as well. If you would like to stay here and wait till the finals, please do. But before that, we're going to also vote the desserts. So please take out your phones once again and vote for the best presentation of the dessert. Merci de voter pour la meilleure présentation des desserts. Merci. So in the chair in front of you, you will find the QR codes. Please have a look at them. There should be the sucré et salé, savory and sweet. If you could vote for the best dish presentation for the finals, which will be announced at the prize giving, starting at 5. N'hésitez pas à voter. Vous avez encore un peu de temps. C'est ça qui va décider le grand prix, le prix final du vote public de la meilleure présentation de plats et desserts. Oui, c'est fini. Oui, oui, le vote a eu lieu. So, the vote is almost closing. Only a few seconds left to place your vote. All right, the vote is closed. Thank you very much. Oh, yeah. No, there's a podium.
Okay, ladies and gentlemen, we're now over with the vote. And alors, il me reste à remercier le jury. On les reverra évidemment tout à l'heure au moment de la remise des prix. Je vais vous demander de les applaudir, nos membres du jury qui ont œuvré toute la journée. Susanna, Benoît, Yannick, Christina, Nicolas. Voilà, ce sont ceux qui ont toute la journée dégusté les plats qui leur ont été envoyés. Moi, je trouve que Susanna, elle avait un petit peu peur de ne pas pouvoir finir, mais tout va bien. Hein, ouais, ouais, ça va, elle est encore bien présente, tout va bien. Ok. On va vous demander, évidemment, d'aller délibérer pendant ce temps-là. Je vais inviter le public, mesdames et messieurs, à, si vous voulez un peu libérer la salle, aller prendre peut-être un petit peu l'air. Faire une escale technique, vous lavez les mains, visiter le port de Monaco. Mais est-ce que tu... To leave all this space over here because the cleaning is starting right now. We'll be going through this... award ceremony from 7:30, no, sorry, 5:30. No, 5. In about an hour. Yeah, so we'll be starting the award ceremony at 5. So the prize giving will be at 5 p.m. Please join us again at 5 p.m. Just to let you know that we will have... here inside as well, but we do invite you to go outside so that we can do the setup. Also, there. Look, the food truck is still open as well. So, prize giving at 5, and we'll have a bit of an after party at 6. Thank you.
Thank you.
Allô? All right, all right, all right. We're going to start the prize giving. So if everyone would like to take their seats or stand a little bit in the back, please. Can we free up this area, please? So we wanted to ask a few of our partners how they felt about today. So we have Sammy here. On a Sammy ici qui a fait tout le provisioning pour les poissons et tout ça. C'est notre poissonnerie locale. On va lui faire entendre un tout petit peu. Merci beaucoup. Merci. Alors je suis Sammy. Donc bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'être là parmi vous et de pouvoir participer à ce bel événement. Je voudrais féliciter toute l'équipe pour l'organisation. C'est un très très bel événement. Voilà, je vais décaler un petit peu.
C'est un très bel événement. Donc, la poissonnerie Louvassou donc, est située sur le quai Rondel, à quelques mètres du Yacht Club. Donc, je suis associé à Eric Rinaldi, donc, qui est le dernier pêcheur de Monaco, pêcheur professionnel, un grand passionné. Donc, on exploite la poissonnerie. Nous sommes au service des chefs pour l'approvisionnement en tout produit de la mer de qualité. Donc, que ce soit la préparation des poissons sous vide, des crustacés vivants. Donc, voilà, notre spécialité, c'est vraiment d'être là pour les chefs, chefs de yacht, chefs privés, également chefs étoilés. Donc, récemment, on a commencé à distribuer les plus beaux établissements sur Monaco. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir. Très juste, bien. Juste à côté, soit pour un déjeuner, pour voir l'étalage. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. All right, so thank you very much for being here today. We will start the prize giving quite soon. Beforehand, I would like to talk a little bit to Philip, who is with the Distillerie de Monaco, and he will be talking a little bit to you about that. How did you feel about today? I thought it was fantastic. Well done to all the chefs. I thought you did an extremely great job under huge pressure, so well done, and your secret. Sure. The stage is yours. So I think you did extremely well, so congratulations, and I think all of you deserve a big round of applause. Amazing, and you'll be making a little cocktail for us as well, normally? Yes, very happy to offer a cocktail with your other partners, Moët. We have a nice Spritz Royal de Monaco, so we'll have that afterwards. We have the first and only distillery in Monaco. We produce spirits and liqueurs using the fruit that grows in Monaco, the bitter oranges, and we use carob, which you saw here used in the dishes, which is the national tree of Monaco. And we use all the citrus fruits from the area to make a very tasty gin called Gino's Agrum. Well, perfect. Thank you very much. We look forward to that. And also, you've been giving some lovely hampers here for the prizes, because there are a lot of prizes to be won today for all 9 chefs actually competing. And we'll get to that very soon once the jury is done deliberating, because they're still a little bit deciding on who should win this competition today. So that's why. So we'll be starting very, very soon. Thank you. Merci. Can I invite the chefs to please stand in a row just in front, please? So this is a wonderful little photo opportunity of all the chefs.
All right, very good. Peter, can I ask you, what were your feelings about today? How did it go? I don't feel bad. I feel very well. Yeah, sure. Amazing experience. So I'm so happy to do that competition and hope to see it next year. I will win. Yeah, there is no other way. Exactly. Good spirit. Very good. Et vous, Charlie, comment ça se passe? Belle expérience et au plaisir de revenir l'année prochaine. Super, bon merci beaucoup. Alors, on a le retour de Vincent. Voilà. Non mais c'est juste d'échanger le micro parce qu'il y a le micro d'ordre sur celui-là. Ah. Yeah, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, we are going to call the jury, the members of the jury. And they will be standing in front of the table. If you could just move a little, otherwise they won't be able to go through this wonderful crowd. Voilà, on va leur demander de venir. Donc, s'il vous plaît, faites-leur de l'espace, ils vont sortir des coulisses. Je vais vous demander d'applaudir très fort s'ils sont prêts à rentrer sur scène. Ah ben elle est là déjà alors. Regardez, Susana Peteligalo de Segovia. Venez, venez, venez Susana. On vous voit pas, c'est pour ça. Meilleur ouvrier de France, chef et formateur à l'école Ferrandi de Paris, Benoît Nicolas. Oh, ils vont pas tarder, hein. Il va en manquer si je les appelle comme ça et qu'ils sont dans la coulisse. C'est pas grave, ils se présenteront au fur et à mesure. Ah, le voilà, Benoît, oh, Benoît Nicolas, chef, Joël Garot. Le chef du comité d'organisation. Attends, Nicolas Martin qui est avec nous, le dernier vainqueur. Alors, comme elle est venue de loin, notre Romaine, eh bien, on l'appellera dans un instant. Parce que je ne... Ah ! On l'attendait plus qu'elle ! Christina Bowerman ! Chef étoilé des Roma ! Et le président du jury, le chef Yannick Alino, que je m'en applaudir également. C'est une ovation. Attention. Attention, parce que j'avais quand même un carré d'as avec moi. Quatre jeunes femmes qui sont vraiment les quatre colonnes de l'organisation de ce concours. Regarde, elles sont là. Elle est toute fière, Sharon. Elle sait que je vais parler d'elle. Sarah, Sharon, Carmel et Linda. Allez! Alors voilà, voilà, ça c'est déjà une bonne partie de l'équipe. Mais
Je pense qu'il manque quand même quelqu'un au sommet de cette magnifique pyramide. Alors, je vais demander à une fameuse paire qui va venir nous rejoindre sur scène. John and Peter coming for Blue Water. Voilà, Peter who's joined us. Peter. John has stayed with us all day long and we are glad to see you in the end, Peter. True. OK. Wait a minute. Attendez un petit moment. On va demander, évidemment, maintenant que tous nos acteurs sont pratiquement là, à Bernard d'Alessandri de nous rejoindre. Si, Bernard, viens nous voir quand même. Bah, on est chez lui ici, donc c'est bien naturel. Mais avant tout, on pourrait peut-être juste calmer un peu la musique parce que je trouve ça bizarre dans ces moments un petit peu solennels. Voilà, merci, c'est gentil. Avant le chef Garot, c'est le président du jury qui va s'exprimer. Je vais demander à Yannick Aleno, qui nous a fait vraiment l'amitié de passer cette journée en notre compagnie avec beaucoup de conscience. Est-ce qu'il y a un micro pour le chef, Carmel ? Voilà. Avec la bague blanche, c'est normal. Avec la veste blanche, il faut toujours oui, une bague blanche. Il faut que ce soit avec. Que vous dire, si ce n'est que ben le plaisir a commencé hier soir, avec ce repas magnifiquement organisé par M. Ganache. Et puis, ton accueil était remarquable. Ensuite, ce que je disais à Joël tout à l'heure, j'ai vécu un concours différent, un concours nouveau, parce que c'était cette façon de faire avec le décompte qui vous met un peu la pression, et puis c'est monté comme un show, donc nous on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à goûter vos plats, et puis surtout à vous voir travailler et de vivre un moment qui est quand même assez particulier et unique. Donc merci à tous pour votre organisation. Ensuite, à vous tous, vraiment, et toutes, vous avez fait un travail remarquable et très honnêtement, vous êtes des grands chefs, quoi. Vous êtes des grands chefs et nous avons pris, je crois, avec mon équipe de jury, un plaisir immense. Merci à vous. Thank you all. Maybe Yannick, maybe I know that you're very fluent in English. Maybe a few words in English. Yes, of course. Some of them who don't speak French. I can do it in English, of course. Yes. Now, we're glad to hear that. We did a fantastic work, and we had a huge pleasure today. So and to enjoy your food, to enjoy your knowledge, and the way you work, it's crazy. So, guys, I'm sure you are doing that every day in your boats. And it's I know it's a very difficult mission you have every day to satisfy your clientele, but you satisfy us a lot. Thank you. D'accord. Alors Yannick va remettre très solennellement. He will give the medal to all of our chefs present here. Voilà, il va remettre les médailles qui sont les médailles qui attestent de leur participation. Ah oui, bah ça c'est obligé, hein. Just to check that it's real gold.
Non, non, j'ai pas. I didn't deserve it. Okay. May, well, there have been some people here very important today too that I didn't name. The audience. You've been voting all day long. It's new this year, hein? C'est nouveau cette année, ce vote du public. Well organized and very disciplined. Thank you. Thank you for what you did. Now we're going to give the results of your votes. On va donner les résultats de votre vote. Pour les plus belles assiettes, I'll ask Peter Bennett and John Wyborn to give the prizes. Gentlemen. Okay, I don't. Okay, show me this. Okay, that's regular. Show me. Show it to me. Who's got the bronze? Who's got the silver? Okay. First prize goes to Tommaso Santini, the prize of the public, of the audience. The other prize goes to Enrique Antunes. Voilà, ça c'était les prix du public. Alors, on va demander peut-être au chef de prendre place dans les gradins. Voilà. We keep the three finalists over here, please. And the other chefs, you may move around to the other side in front of this jury table. On va demander à Sabrina de venir rejoindre les trois finalistes. Bonjour Sabrina. Voilà, merci. Alors, maintenant il est temps de faire venir Joël Garraud. Ah, Joël Garraud, c'est un peu le chef des chefs ici, hein, parce qu'il n'y a pas que Christian, hein, qui est chef de chef. Joël Garraud, c'est un peu le patron de la cuisine monégasque aussi. Viens Joël, s'il te plaît. On va dire un petit mot sur... Ah, oula, formidable. Ah, il faut prendre un micro, hein, Carmel. Alors, la traduction. Alors, Joël, j'ai une question très importante à te poser. Ben oui, parce que toi, tu as un œil d'expert. Hein, tu as été à l'organisation, donc tu es des deux côtés, en fait, de la barrière qui sépare la cuisine du public. Tu as à la fois un œil intérieur, un œil extérieur. Je t'ai vu virevolter toute la journée. I saw you going around the kitchen all day long. You've been the great organizer of this contest. And you've been working as we call an arpette. A commie, during all day, giving your time for all the chefs present here. Je voudrais avoir ton sentiment sur ce concours, toi qui maintenant le fais depuis quelques années, 4 ans, et savoir ce qui a progressé, ce qui a changé. Tes impressions à toi, vraiment de l'intérieur. So yeah, just to translate that question real quick. So just to give his feeling about what the competition has been like, and what has changed since he started? Alors bonjour à tous.
Alors, je vais quand même dire que ce concours, au fil des années, me tient beaucoup à cœur parce qu'il s'est construit autour de ce concours qui monte. Eh bien, quatre personnes qui sont pour moi des collaboratrices hors pair, à savoir Linda avec Carmel du Yacht Club et Sharon et Sarah de Blue Water qui ont construit avec moi, évidemment, ce concours. Et vous savez, pour avoir un concours, il faut des compétiteurs. Donc, merci aux chefs compétiteurs d'être là et merci de vous être inscrits et merci d'avoir fait le travail que vous avez fait. Et c'est vrai, comme a dit Vincent Ferniaud, j'étais avec vous, j'étais derrière vous. C'est pas moi qui ai fait le concours, mais j'ai aimé être à vos côtés. So, yeah, so thank you. So for those who didn't understand, Chef Joël was very kind and said to us that he really holds this competition in his heart and would like to thank four persons a lot, which is Linda, myself from the Yacht Club, and as well as Sharon and Sarah from Blue Water. As, of course, Vincent said, he has been in the background busy bee, let's just say, helping all these chefs, and really says well done to all these chefs for working and making this competition what it is today. Et évidemment, j'ai eu des compétiteurs, mais avec des compétiteurs, il faut un jury. Et en tête de ce jury, j'avais Yannick Aleno qui spontanément m'a répondu présent lorsque je lui ai demandé il y a 4 mois d'être parmi nous aujourd'hui. J'en suis très fier, et sûrement pas très fier, mais surtout très heureux. Et à côté de lui, j'avais une équipe grande avec Christina, avec Nicolas, avec Benoît, avec Duncan. Et... Oui, et vraiment... Et voilà. Et Susanna. Susanna, et évidemment, dans les cuisines, j'ai été aidé par mon vice-président de Monaco Goût et Saveur, qui est autre que Frédéric Ramos, qui est le chef du Novotel Monte Carlo et un disciple de Jacques Maximin. So, again, slight translation. What are the competitors without the jury? And therefore, we wanted to thank the jury a lot, of course, as well as the president of the jury, Yannick Aleno, who had been contacted by Chef Joël just only 4 months ago and kindly accepted to be the president of the jury, which we are really thankful for. Thank you. And of course, Chef Joël also had a lot of help behind in the kitchens where he was and where you could have seen him today with his great friend, who is also Chef Frédéric Ramos, who is also chef at the Novotel. Donc, et pour répondre à Vincent, ce qui a changé, c'est l'organisation hors pair que Gourmet Deliveries a pris avec nous et surtout la haute qualité qui s'est montée et l'interaction. Et ça, on tenait l'interaction qu'il y a entre le public qui a choisi des ingrédients et le public qui a pu voter. Et on s'aperçoit que cette interactivité-là a été très productive pour avoir 2 chefs décorés sur les assiettes qui sont sorties. Merci. Yeah. And to answer to Vincent's question, we wanted to say what has changed now is, of course, that we had a lot of public interaction, and we wanted to thank you so much for all your dedicated voting. And it has really helped in that way and also has been able to give the prizes to our 2 chefs who have won the best presentation. So, Chef Joël, will have to leave us now, but... Merci Joël Garraud, on peut l'applaudir. Hein. Il nous réserve une surprise, là, il va chercher quelqu'un, je crois, j'ai l'impression. Just a last word, we were talking about the organization here, and
I would like to ask Peter Bennett to come here, to come over here for just a second. Peter, this competition is almost your baby. I mean, you wanted it so hard, and now it's a fantastic collaboration with the Monaco Yacht Club. What's your impressions about what's happening here? Quite frankly, it's blown me away today. It's an extraordinarily organized competition now between the Yacht Club and Blue Water. I feel honored and quite emotional that we've taken this event from Little Antibes to Monaco, and we're putting it on now, and it's almost a global event. We've got some exciting news to announce, but I'm going to let Bernard announce that when he does his few words. Fantastic. But we're excited. That's what's called a teasing, right? Teasing. We're excited to take this event a little bit further, and we've got some plans, and hopefully Bernard will say that when he says his few words. But many thanks, everybody. Thank you. Because this competition is and was a great point in the yacht cooking life, but it's also, it has become very important in the chef's competitions, you know, in this very special job that's done here. And the fact that such chefs as Yannick Aleno come and, comme on dit, apporte, adoube ce concours by his presence. Sure. So we're very glad for you and for Blue Water. Thank you. Who has been doing a great job with all your teams. We have been... Thank you so much. Oh, here they are. Thank you. Good. Thank you, Vincent. Thank Thanks you. To you, Thank Peter you. Bennett. Comment... Alors, Yannick, tout le monde est un peu subjugué. Je crois que tu l'as laissé entendre. C'est pas seulement un concours de cuisiniers sur des bateaux. C'est un vrai concours de chefs. Hein, et c'est ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Ce n'est pas des chefs embarqués, c'est des chefs. Non, c'est des vrais chefs. Et franchement, la technique est exceptionnelle. 40 minutes, vous vous rendez compte? Faire des assiettes comme non, ça, monsieur. Moi, ça m'a laissé pantois. Oui. Only 40 minutes, we were very impressed. I think all the jury was really impressed. Great professionals, knowing exactly what cooking is about. And they were so impressed. Could you imagine being, impressing Yannick Aleno? Well, that's the title, I can tell you, surely. On va demander à Sabrina. Ah, Sabrina, qui est avec nous. Sabrina, toujours présente au moment de remettre le trophée. Pouvez-vous nous en dire un mot? Bonsoir à tous, je suis ravie de toujours faire partie depuis le début de cet événement qui est de mieux en mieux, je trouve. Et il faut penser à une chose, moi qui suis quand même très souvent sur les bateaux, il ne faut pas oublier que le chef est l'une des personnes les plus importantes à bord. Donc il faut vraiment les congratulations, because I think that the chef is one of the most important person on board. Thank you. Thank you. We all know on boats and ships that a bad cooking, a bad chef leads to mutiny. In the history, the history has always been like this because it's very important cement of the crew, of course, the chef and what they eat aboard. So you'll be offering again the trophy today. Can't wait to see. Who is the winner? I think that they are all winners because they are all wonderful, but this like is life. I'd love to say that it's a fact, but it's not I would like to give the prize to all of them, but it's impossible. I'll tell you about why. Yannick, dans un instant, on va. J'adore ce point d'orgue où tout le monde est accroché. Après, tout le monde va s'égayer, tout le monde va repartir dans ses préoccupations, mais ce moment où on attend parmi ces trois messieurs, deux Italiens, un Portugais, three gentlemen, this very precise moment is so important.
Because this is why you've been working on that for days and weeks, hoping and going for the best. In a minute from now, there'll be one guy who will take the place of Nicolas Martin, who was the former winner. Où est-ce qu'il est? Hein? Nicolas Petit, je ne sais pas pourquoi je dis Martin. Nicolas Petit, come here. Are you ready to give your prize? Est-ce que tu es prêt, Nicolas, à donner ton... Bien sûr, je suis prêt avec plaisir à transmettre mon prix. Je tenais moi à remercier le Yacht Club de Monaco, tous les organisateurs, Blue Water, qui m'ont fait passer depuis le prix une année exceptionnelle. Entre le dîner à quatre mains, le dîner d'hier soir, nous faire permettre de participer en tant que jury à la compétition, où j'ai vu les choses un petit peu de l'envers. Donc, merci à tout le monde. Et oui, je suis prêt et je suis très, très heureux de le remettre aux gagnants. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir qu'au moment de remettre les prix, nous accueillons Son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, qui nous fait l'amitié dans son grand amour des chefs et de la cuisine de venir rejoindre ce parterre pour participer et pour remettre le prix au vainqueur. Ah oui, ça. Je vais passer, Monseigneur, là. Bonsoir, Monseigneur. Merci d'être avec nous. On sait l'amour que vous portez aux chefs, qu'ils soient monégasques ou même du monde entier. Et vous avez la réputation d'un souverain, d'une grande humanité, et elle s'exprime à travers cet amour que vous avez des chefs. Absolument. Ben, je crois que c'est d'abord bonsoir à tous. Et je sais que ça a été une très belle journée déjà, et je pense qu'on va avoir un très beau moment avec de belles récompenses pour de très belles performances de la part de nos jeunes chefs. Mais je suis très heureux de retrouver, bien sûr, tous ces grands noms de la cuisine qui sont avec nous, bien sûr, à commencer par Yannick Aleno et tous ceux qui nous entourent. Et puis Joël Garraud, qu'on ne présente plus, qui est un pilier de la gastronomie monégasque. Voilà. C'est un peu le patron avec votre chef, hein, avec Christian Garcia, ici à Monaco. Monseigneur, merci. Je vais passer la parole pour un petit mot d'accueil à Bernard D'Alessandri, le secrétaire général du Yacht Club de Monaco. Merci à tous et bien félicitations à l'ensemble des participants. Et puis c'était bien dans la tradition du club de transmettre le savoir des grands chefs. Et merci aux chefs qui ont participé au jury, à toutes les personnes qui ont organisé et bien sûr aux compétiteurs. Donc la transmission vers les nouvelles générations, et on souhaite aux vainqueurs, on ne sait pas encore qui est-ce, une longue et belle carrière sur l'eau comme à terre. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much to be here and a great pleasure to be here. Maybe we can ask Peter, would you like to come here? Yeah? Yes, please. Yeah. Would you like to say some words about the first meeting you did a long time ago? I think it was 2017. I joined the Yacht Club. And it's my privilege to come and join His Royal Highness Prince Albert's club with my new friend Bernard. And we discussed Blue Water assisting some of the training, maritime training at the club, which we were honored to be asked to do that. And I suggested to Prince Albert that we hold this chef competition. He said, that's a good idea, because I like cooking. And I like TV series, I like MasterChef, I enjoy that. So yeah, why not? If you can do it for me, then I'm up for it. And here we are today. And so it's amazing. It's incredible. And I appreciate it. Thank you. Thank you, everyone. Eh bien, je crois qu'on va procéder au palmarès, si vous êtes d'accord, Monseigneur. Allons-y. Puisque le sort en est jeté par les délibérations du jury, présidé par Yannick Aleno. On va tout de suite...
Ah ben, et puis ça fait un moment hein, qu'ils sont stressés. Alors on va vous donner, on va faire évidemment le compte à rebours. Hein, on va commencer par la troisième marche du podium. Je sais, c'est cruel. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the third candidate of this competition on the bronze medal of this great competition goes to Enrique Antunes. Bien évidemment, on va remettre la médaille d'argent au deuxième. Dès que celui-ci sera nommé, il n'y aura pas beaucoup de suspense pour le premier. On est d'accord, Yannick? On est d'accord. Mais il faut procéder ainsi. Son nom vous sera dévoilé à la suite, évidemment, de cette deuxième marche du podium. La deuxième marche du podium, cette toque d'argent magnifique va être remise, goes to the second, it's an Italian guy. Les deux le sont, monseigneur, c'est pour ça que je me suis permis. Hein. Both are. The second goes to Tommaso Santoni. Alors, bien évidemment, regardez, il baisse le regard avec humilité, mais il est heureux. You can see he's happy. Ladies and gentlemen, Sabrina va remettre ce très beau trophée à la Ligue entre les mains de Monseigneur. Attention, le gagnant, the winner of the 2023 edition of this competition is Marco Tonio! Ah, scusi Marco, ma vogliamo ascoltare te. On veut savoir qui tu es, hein, quelques mots. Je veux déjà remercier ma femme, Melissa, qui est ici aujourd'hui, qui me supporte tous les jours, qui m'aide beaucoup à l'organisation. Bien sûr, au prince, merci beaucoup, infiniment, et à la jury. Merci Yannick. Merci Christina, merci tout le monde. Merci, merci, merci. Ah, Madame Tognon, venez embrasser votre mari. Ok, on va faire la photo officielle. Monseigneur, je vais vous demander d'être évidemment à côté de Marco. Oh ben non, allez, c'est convivial. Bernard, Peter, John, of course, Sabrina. Photo officielle de la remise de ce prix.
On va demander à Joël Garraud de monter également. On va demander à Yannick Aleno qui est déjà là. Joël, les jurés vont se mettre devant le podium, s'il vous plaît. Christina. Allez, voilà. Nicolas, Benoît, venez. Les membres du jury et du comité. Duncan, Frédéric, Susanna. Go in the middle, Susanna. We don't see you. Oh, yes. You have Duncan holding you. We'd like now that... Is it done? C'est bon, les photos? On va demander aux chefs, à tous les chefs, les six autres chefs, de rejoindre leurs camarades sur le podium autour de Monseigneur. On the podium, please. Climb over there. Et merci à tous. Merci aux sponsors. Merci aux partners. Thank you to all the partners that made this competition great also today. Thank you to all the teams of Yacht Club de Monaco working with Blue Water and La Belle Academy. Et le public, it's done. I just said thank you to all of you. You've been wonderful. Je vous invite maintenant à rejoindre le cocktail. Il y a un petit after entre bar à huîtres et dégustation au food truck devant sur la terrasse. Il fait beau, on en profite. Bon, un petit coucher de soleil entre nous, convivial, amical. Let me invite you for the after happening just in front of this room, over there, around the food truck with oysters to go. Further on with this nice little cocktail, your after hour, the after competition hour. Merci à tous, merci à tous. Rendez-vous évidemment l'an prochain, mais du coup, Peter Bennett, il n'a pas fait les annonces.